Ils étaient près de 200 à s'être rassemblés ce week-end à Aulnay-sous-Bois pour dire non à Europa City. Ce pôle urbain qui devrait accueillir centres commerciaux, hôtels et équipements culturels en 2021, s'est attiré les foudres de certains habitants et associations. Comme le collectif pour le Triangle de Gonesse, l'association milite pour l'abandon du projet qui détruirait une grande partie des espaces agricoles de l'Est du Val d'Oise. L'espace agricole du Triangle de Gonesse a une fonction importante pour nous, une fonction de production alimentaire, mais aussi pour atténuer les pics de chaleur. Si on urbanise le Triangle de Gonesse, ben les pics de chaleur la nuit sur Aulnay, sur Gonesse, se feront sentir. Personne ne comprend que dans un territoire qui est sursaturé de centres commerciaux, au Paris Nord, à Aéroville, Paris Nord 2, et également sur le Val d'Oise, My Place, ne comprend pas qu'on fasse un centre commercial de plus, encore plus grand que les plus grands que l'on a aujourd'hui. Pointé du doigt également par les associations, les suppressions d'emplois dans les commerces de proximité, en cause les 500 boutiques prévues dans le centre commercial, des questions abordées à l'occasion de débats organisés tout l'après-midi. Habitants mais aussi élus étaient présents pour s'informer et réaffirmer leur refus du projet. Je pense que c'est un projet qui va condamner aider les commerces dans le Val-d'Oise et en Seine-Saint-Denis. Si on doit investir effectivement dans le culturel, dans le sport, au niveau local, ça oui, mais pas à travers des projets démesurés qui ne serviront pas à la population. C'est vrai que c'est un projet, je pense, qui est inutile par rapport à tout ce qui existe actuellement sur des terres agricoles en plus. Les centres commerciaux, je crois qu'on en a déjà suffisamment dans la région. Prochaine étape clé pour l'avenir de ce projet, la rencontre avec l'établissement public d'aménagement de la Plaine de France ce lundi. Un rendez-vous qui se tiendra toutefois sans les associations.